when it comes, with warning and without any warning. The atomic bomb. Hey, salut tout le monde les gars, c'est Apex Venom, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va très certainement vous plaire et vous aider à ne plus laguer sur Black Ops 3. En effet, aujourd'hui les amis, on va parler d'un secret que très peu de gens connaissent sur Black Ops 3 qui va permettre de très considérablement réduire le lag lorsque vous jouez. Mais avant toute chose les amis, n'hésitez surtout pas à laisser un maximum de j'aime, ça me ferait extrêmement plaisir de vous voir détruire cette barre de j'aime. Hein, n'hésitez surtout pas à partager cette astuce avec vos amis puisqu'elle fonctionne à 200%. De plus les amis, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. On vise les 30 000 abonnés avant la fin de l'année, on y est presque et il n'y a que vous qui pouvez me les faire atteindre. Donc les amis, vous le savez, le lag est quelque chose de présent depuis tous les Call of Duty. Et mis à part avoir une grosse fibre optique énervée, eh bien il n'avait aucune réelle solution pour fixer le lag, puisque sachez que le lag est tout simplement la pire chose pour un gamer. Eh bien sachez que grâce à cette vidéo, vous allez très considérablement réduire votre lag sur Black Ops 3. Donc j'espère vraiment que cette astuce vous plaira et que vous la partagerez avec tous vos amis avec qui vous avez l'habitude de jouer. Il y a deux solutions les amis pour fixer le lag. Elles sont toutes simples, il y en a une qui est sur le jeu et la deuxième qui est tout simplement sur les paramètres réseau de votre console. Je vais donc vous donner ces deux astuces. On va d'abord commencer avec l'astuce sur la console. Alors sachez que vous utilisez de base un DNS, c'est-à-dire un Domain Name System qui est celui de votre Livebox ou bien celui de votre fournisseur d'accès à Internet. Et bien sachez que Google en a un personnalisé et franchement il est beaucoup plus performant que ce qu'on croyait. Et c'est pour cela que vous allez devoir le mettre sur votre console. Pour faire cela, les amis, il suffit d'aller dans les paramètres réseau et de modifier donc votre DNS. Alors vous mettez celui de Google qui est 8.8.8.8. Ensuite, dans le DNS secondaire, vous allez mettre, comme vous voyez à l'écran, 8.8.4.4. Ensuite, les amis, il ne faudra rien toucher, mis à part cliquer sur OK. Une fois que cela sera fait, vous pourrez constater les changements par vous-même. Vous aurez gagné 5 mégas. Bien sûr, les amis, le changement peut varier chez toutes les personnes. Et ensuite, la deuxième astuce, c'est qu'il faut tout simplement désactiver dans Contenu Filtre le contenu créé par le joueur. C'est tout simplement une option qui va vous faire désactiver tous les Paint Shops, tous les groupes, c'est-à-dire que vous ne pourrez plus rejoindre de groupes ni en créer sur Black Ops 3. De plus, les camouflages des armes en multijoueur ne s'afficheront pas sur votre écran, mais le jeu sera beaucoup plus fluide et laggera beaucoup moins. Donc les amis, c'est donnant-donnant, vous perdez les groupes et les camouflages, mais vous gagnez de la connexion. C'est une astuce que personne ne connaît. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu les amis, c'était Apex Venom. Peace out.